Yo, what's up les lamas, j'espère que vous allez bien car moi je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le tout premier jailbreak fonctionnel de la PS4. Il commence vraiment à terroriser les responsables de Sony car il marche bel et bien, mais à certaines conditions et inconvénients que nous allons voir tous ensemble dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, exposez-moi cette barre de pouces bleus les gars. J'en veux au moins 50 pour garder la forme et faire au moins une vidéo par jour pendant ces vacances. Et pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours de hier, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo et à l'écouter bien attentivement jusqu'à la fin afin de doubler vos chances de gagner. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour du contenu de qualité quotidien durant ces vacances de Noël. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez un stream ce soir pour fêter les vacances de Noël et pourquoi pas vos cadeaux qui vont venir. Donc c'est sur plusieurs sites d'infos et forums de hackers qu'on a pu apprendre la nouvelle, car on nous dit qu'une personne a réussi à s'octroyer l'accès aux droits d'administration de la console et qu'il a ainsi pu injecter des firmware maison dans le but d'installer des logiciels non reconnus et autorisés par Sony, comme des jeux piratés par exemple, ce qui est évidemment interdit par le constructeur et puni par la loi. Malgré la grosse avancée que peut représenter cette nouvelle pour tous les amateurs de jailbreaking, ce crack n'est pour l'instant disponible et réalisable que sous le firmware 1.76 qui est bien antérieur à l'actuel, qui est le 3.11. Les joueurs et personnes concernées se sont donc mis à la recherche minutieuse du moindre jeu qui n'aurait pas bénéficié de mise à jour depuis ce firmware et serait donc disponible par piratage. Il faut donc évidemment considérer l'éventualité qu'avec ce premier hack de la console, il ne saurait tarder que durant l'année 2016, des jailbreaks plus avancés et évolués de la console fassent leur apparition sous des firmware plus récents et donc plus exploitables pour les hackers et surtout pour nous les acheteurs. Évidemment, cette nouvelle qui paraît officielle comme l'a annoncé le hacker sur son compte Twitter pourrait en revanche profiter aux personnes ayant des mauvaises intentions en tête, car suite à cet événement et après des recherches personnelles, j'ai pu trouver plusieurs sites ou pages annonçant un crack de la PS4 sous la version actuelle 3.11 avec un tutoriel écrit expliquant la marche à suivre pour mener à bien l'expérience. Il faut donc bien se mettre en tête que beaucoup de fakes vont apparaître dans les jours et semaines à venir et qu'il faudra donc être très méfiant quant aux nombreuses arnaques dont chaque internaute pourrait être victime. Voilà les lamas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous me bombardez cette barre de pouces bleus, vous me laissez un commentaire pour dire si oui ou non vous trouvez cette nouvelle plutôt réjouissante, vous me partagez cette vidéo pour informer tous vos potes qui, j'en suis sûr, seront ravis d'apprendre cette nouvelle. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour du contenu de qualité quotidien. On se retrouve certainement en live stream dès ce soir sur Twitch pour découvrir l'arrivée de la neige sur GTA 5 Online tous ensemble. J'espère que vous serez nombreux, mais dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous serez là. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !